Salut tout le monde, c'est LastBarouleur. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, les gars, en Team Kra. Voilà, une petite zone sympathique, etc. etc. Par contre, juste avant, les gars, déjà je suis en live. Il est 2h du mat, il est 1h30. Je suis un peu éclaté, mais rien à foutre. À l'heure actuelle, déjà, les gars, je suis en OP sur Red Shadow Legends. Comme la dernière fois, même principe. Tu dois juste télécharger Red Shadow Legends. Je vous mettrai le lien dans la description, quand même. Dans la description, il y aura le lien à ma chaîne Twitch et le lien de Red Shadow. Tu dois juste cliquer sur le lien, tu fais point, ou tu peux venir sur ma chaîne Twitch, faire point d'exclamation raid, ou alors il y aura un lien en dessous du stream. Tu cliques dessus, tu dois télécharger Red Shadow Legends, faire le tuto. En gros, tu te laisses guider par le tuto et des petites flèches. Dès que t'as appuyé la petite flèche, et que t'as fini le tuto. Et ça m'aide énormément, chaque DL compte, les gars. Donc, si vous avez vraiment, ça prend 3 minutes. Si vous avez 3 minutes, voilà, ça me fait giga plaise. Et tous ceux qui feront cette roulette, vous prenez un screen. Il y aura aussi un point d'exclamation Discord, il y aura aussi mon lien Discord. Et vous prenez un screen, vous le mettez sur Discord, il y a un channel raid. Et grâce à ça, tu pourras gagner des roulettes. Donc tu as une roulette avec des kamas où tu win à 100%. Ça va de 200 000 kamas. Normalement c'est 200 000, je sais pas pourquoi 100 000. Ça va de 200 000 kamas jusqu'à 4 à 6 millions. Et ici tu as une autre roulette où tu peux gagner entre 1 et 7 millions d'items, mais c'est pas du win à 100%. Donc voilà, vous gagnez quand même quelque chose à DL et ça me fait giga bien. DL, je viens chez toi. Ah yes. Donc voilà, n'hésitez pas. Et aussi les gars, à partir de demain. Donc à partir du 9-08, à partir de dimanche 9, début d'après-midi les gars, on est en grosse aventure à zéro sur Illizael. Il y aura une vidéo le lendemain sur l'épisode 1 et la présentation du projet. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à venir. Venez sur ma chaîne Twitch si vous voulez plus d'infos sur le projet ou quoi. Il y aura une grosse aventure Illizael avec full vidéo, full entrée dans live, full guild d'alliance, etc., etc. On va vraiment essayer de faire un gros projet. Donc n'hésitez pas à venir sur ma chaîne Twitch pour me soutenir. Et puis voilà. Du coup maintenant je passe en mode live. Je passe en mode. Je vais parler avec le live PPR. Comme ça en même temps je vous montre un peu l'astuce, je vous montre le truc. Donc on est à l'île de Carton-Pâte. C'est une île qui est déjà à 90% en termes d'XP et de drop. Donc c'est ultime. Il me semble que je vous ai déjà montré la zone, mais genre il y a peut-être un an et demi, 2 ans. Donc ici on va dropper principalement les plumes de Gobius. Alors c'est des plumes juste ultimes. Ça sert à faire le bracelet Imov. Ça, à la limite, tu t'en fous. C'est où? C'est Hawk, mais tu t'en fous. Ça sert surtout à faire la baguette des limbes. Il en faut 25. Voilà, baguette des limbes, sûrement le cac le plus répandu du level 100 au 150, je pense. Avec la HJ. Un très très bon cac PA, PMPO, Sagesse, Intel. Et le 4 coeurs, qui est aussi un très bon bouclier, qui fait largement le taf. Donc voilà, il en faut 25 ici, il en faut 21 ici. Très bonne ressource. Le taux de drop, on est sur du. Sur du 30% de base, c'est presque du 100% avec idole. Je pense que t'as un châle, c'est du 100%. Donc petite compo d'idole, petite team cra, le classique les gars, je vous montre ça tout de suite. Aventure à zéro. Ouais mais non, parce que sur les ailes, gros, tu peux pas. Ça serait une aventure à zéro, mais tu peux pas jouer sans être abonné sur les ailes. Du coup, il faudra forcément être abonné. Sauf si tu crées un nouveau compte, je crois que quand t'as un nouveau compte, tu peux jouer sans être abonné pendant peut-être 2-3 connexions. 4 coeurs, nouveau boubou. Quoi, c'était pas ça? Merde. Je crois que j'ai mélangé le truc coeur et le 4 feuilles, frère. Attends. Ouais, ça va, c'est pareil, gros. Comment vous jouez sur les mots, le chat? Pouf. Pareil, ici, ce qui est bien aussi, c'est que c'est des maps qui sont en dessous du level 100, du coup, t'as besoin d'une capture 100 ou inférieure à 100. Et elle coûte pas du tout cher. Je pense que c'est rentable. J'ai pas farmé énormément la zone, hein. Je l'ai même pas du tout farmé. Je pense que c'est rentable ici de capturer à partir de Gobius. De Gobius, ça te fait du 6 000 kamas par perso, x2, ça fait 12 000 kamas. Ça reste rentable. Bien sûr, ici vous pouvez venir avec moi. Je suis avec ma team Kra 200. J'ai pas créé une team Kra level 100 voilà, exprès. Mais je suis sûr qu'avec une team Kra très BL, tu gères facilement. Les mobs ont 1500 HP. Ils ont des faiblesses feu ou du 15 res. Voilà quoi. Bon, là, ça va être classique. Hein. Hop, hop. Tu vas jouer quoi sur Illy? Et ouais, sur Illy, moi je vais jouer un gap perso. Après, vous de voir ce que vous voudrez jouer. Et bien sûr, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si de une vous êtes chaud pour Elisel. J'ai oublié de capturer, je suis en droit des fils d'up. J'ai oublié de capturer, gros. Ok, vous voyez le drop. Les plumes de Gobius, tu vois, tu te fais vraiment du 6500 km par perso, 30 secondes. Bien sûr, tu peux mettre beaucoup de moins. Là, je suis en mode vidéo et tout. Les viandes, c'est quand même du 2000 km unité par perso. Les cornes de Rhinophéros, ça coûte plutôt bien. Ça sert à faire. Ok, Dévastateur Terre, pourquoi pas, ça peut se vendre. Tomo, je suis pas sûr que ça se vend très bien, mais ça doit se vendre aussi. Une nouvelle amulette de Pandala, ça se vend parce qu'elles sont super cheat. Ça doit se vendre pour le son level. Ok, des petits items sympathiques. Voilà, t'as d'autres ressources assez chères. On va faire le tour un peu des ressources de la zone. Ça met plutôt bien, petite astuce classique.
Domo se vend de ouf pour que tu tues. Domo, ah, il faut un Domo? Ah ouais, je serais vous. Je crois qu'il faut un Domo dans les trucs. Ok, là on est sur du 200 Kama, 800 Kama. Ici, 3200 Kama, 500 Kama. 118 Kama, 500 Kama. Ça, c'est l'archi, on s'en fout. Enfin, c'est le recherché. Et ici, 3200 Kama, donc ça fait encore un autre mob rentable. C'est plutôt cool. Je vais essayer de vous montrer un autre combat. Pour le fossile, ok, ça roule. Et Yo et Tsuya. Et du coup, ouais, hein, je le répète, les gars, pour ceux qui checkent la vidéo, mais le DL Raid, les gars, c'est vraiment gratuit. Ça vous prend 3 minutes de votre temps. Et moi, je gagne à peu près entre 5 et 10 $ par téléchargement, donc c'est juste insane. Sachant que ça vous prend 3-4 minutes maximum. Tous ceux qui le DL, les gars, vous aurez votre petite roulette aujourd'hui. Et hier, j'ai dû faire gagner 150 millions de stuff et un petit moins 50 thèmes, je pense, avec toutes les roulettes. Et pareil aussi, j'ai fait la menace de craft. C'est vrai que je vous en avais pas trop reparlé sur YouTube. Il y a une vidéo qui arrive soon, je vais pas vous spoil, mais j'ai crafté, comme je l'avais dit, pour plus de 2 milliards de stuff déjà. Donc vous aurez une petite vidéo qui va arriver soon, mais ça va prendre du temps parce que la vidéo dure 2 heures et quelques. Yo, Wukuk, comment tu vas? Hop, hop. Et puis là, les vidéos, c'était un peu un taux assez faible vu que mon monteur, enfin mon monteur, le mec qui me faisait quelques montages et les miniatures étaient en vacances. Il vient de revenir aujourd'hui. Donc là, les vidéos, je vais essayer de reprendre un rythme de au moins une vidéo tous les 2 jours. Sachant qu'il aventurise elle, je vais avoir pas mal de bonnes idées de vidéos. Donc voilà. Bon, là, il y avait rien de comptable sur ce combat. C'est juste histoire de faire hip-hop. Là, ouais, j'ai vu que les rhinos étaient indéplaçables. T'as vu que maintenant. Après, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que en vrai, même sans les gobus, t'es quand même rentable avec les cornes et tout, c'est pas dégueulasse. Hein. Si tu captures tout, tu refais une arène. Je pense 2 cras, un Nenu, ça suffit. Tu peux même faire pex des petits persos BL si t'as. Je pense que ça peut être bénef. Quel vent suiveur, j'avoue. Putain, par contre, il y a. Galère à trouver les mobs. Hein. Vu que je pense, parce que bah, de toute façon, c'est les mobs les plus rentables de la zone, du coup, ils doivent être full farmés. Là, j'aurais peut-être dû faire hip-hop les combats. Avant de. Après le donjon, je pense que tu peux farmer les salles du donjon sans problème. Attendez les gars, là je suis en vidéo, j'essaie de pas trop lire le chat. Histoire de finir la petite vidéo en détente. Là pareil, il y a la vie de recherche, il y a 3 cobus bien sûr. Ça fout un peu le seum. Yomogi. Parce que là sur raid, le chat, on n'oublie pas de soutenir le dernier débaoudeur les gars. Bon, on va lancer ça, on s'en fout. Après, je vous fais un petit récap de ce qui va se passer du coup dans les streams, dans les jours à venir. Et n'hésitez pas. Et surtout les gars, demain, enfin aujourd'hui, grosso modo, vu que la vidéo va sortir ce matin, elle va sortir dans 8 heures, on va dire la vidéo. N'hésitez pas à venir sur mon live début d'après-midi, les gars. On va faire une grosse aventure de compte avec toute la communauté. Ça devrait être plutôt sympa. Je vais essayer un peu de découvrir d'autres viewers, de les avoir en vocal, de découvrir un peu d'autres viewers de mon chat, des viewers actifs et tout. Essayer de se créer une petite team et bien farmer les ailes, montrer à tous ces petits poufons de mon compte comment ça se passe là. On en a vu plein un peu médisant, ouais là c'était bon qu'à farmer sur multi, tu vois rien sur mon compte. On va les fumer un par un gros. Ça va commencer à bégayer. Opérer en vocal, ouais non non non. Non non non. Oh putain regarde ça gros. Non, c'est mis trop bien en termes de cornes. Attends, mais c'est quoi le pourcentage? C'est du 3% de base. Là, je suis à 10% avec les dalles, j'en ai droppé 1, 2, 3, 4, 5. Là, je suis PNF. Attends, ça coûte combien les captures niveau 100? 30 000 Kama une capture 100? Merde. Oh, 7. C'est cher en vrai, hein. Putain, après, c'est vrai que moi, je suis sur Hagrid, donc c'est extrêmement cher. On aura période dans ce card, OMG. Non, psy, pas envie de créer une team crash sur lui. C'est pas le but. Attends, c'est ici que j'ai fait mon premier combat? Non, c'est en dessous. Je vais juste voir si ça repop. Si ça pas repop, tant pis, on s'arrête ici. Ok, ça repop. Oh! What the fuck? Oh, what the fuck, le chat. Oh, what the fuck, le chat, qu'est-ce que c'est que ça? Wesh. Wesh, y'a quoi, les gars? Full Gobius le chat. 1, 2, 3, 4, 5 Gobius. Bon, la map elle pue du cul. Mais vas-y, on s'en fout, on met une compo claquée. Ah, il n'y a pas de place, gros, il n'y a pas de place. Hein. Franchement, j'ai regardé, il n'y a pas de place. Bon, celui-là, on va le capturer quand même, on va faire attention. Hop, j'ai mis une compo avec des Yosh, comme ça je vais pas me faire OS parce que là en grosse compo je me serais fait OS. Attendez, les gars, je finis de faire ce combat. Ensuite, je coupe la vidéo. Et après, je suis à vous. Là, je suis en vidéo, les gars.
Excusez-moi les mecs sur YouTube, ceux de YouTube ils sont un peu chiants. Vous la dites pas. Ok, là tu captures, tu fais tes bails. Ah, je t'ai même pas passé en mode créature, c'est dégueulasse. On dirait une forêt le truc avec leur tête, gros, on dirait une putain de forêt carrément. Avec mes persos verts tout dégueulasse là. Hop. Hop. En plus, on va faire le tchal. Là, c'est du 5 gobus par perso, les gars. À moi les kamas. Hop là. On s'est fait combien là? On s'est fait 16 000 kamas par perso. Quoi, j'ai pas capturé? Mais non. Quoi? Quoi? Mais quoi? Attends, les mobs ils sont pas dessus du level 100? Merde. Merde. Bon, voilà, un petit 16 000 kamas par perso pour une zone de merde niveau 98. Pas dégueulasse, tu fais ça x2 avec les captures. T'es plutôt bien. Les viandes qui mettent assez bien aussi, ça donne de la vie, donc c'est worse. Tout le reste qui est pas dégueulasse. Du coup, voilà, pour ceux qui sont sur YouTube, je vous laisse là-dessus. Ma chaîne Twitch, la petite OP Red, l'aventurisé, le monocompte, il y a full contenu qui arrive. N'hésitez pas à rejoindre tout ça. Et puis, à plus tout le monde.